Eh bien salut tout le monde, c'est Ryder et bienvenue dans l'épisode 9 de la carrière, intro un petit peu spéciale puisque j'avais déjà fait l'intro au préalable, mais elle est un petit peu longue et répétitive. Du coup je lance l'épisode tout de suite à l'oral, les meilleures actions du match, vous avez 3 matchs dans cet épisode, enjoy, parce que ce sont des bons matchs. Allez, on affronte Golden State Warriors, c'est la meilleure équipe du jeu, et il y a une petite cinématique avec Kevin Durant, l'homme qui n'a pas de balls, qui a peur de la compétition. Et généralement, contre Golden, je fais des très très gros matchs, en espérant que ça soit le cas sur celui-ci. Allez, on leur prouve tout notre talent, malgré notre archétype qui est techniquement assez limité en attaque. Mais nous, on prend du rebond, on claque des dunks et tout, on fait même du poste. Oh, il n'y en a pas beaucoup dans ce dernier épisode, mais bon. C'est normal, hein, on a des stats assez faibles. Pourquoi prendre un shoot avec un pourcentage de réussite assez faible alors qu'on peut avoir des shoots comme les drop step dunk avec un pourcentage de réussite plus haut? Voilà. Allez, l'entre-deux, on espère gagner. On les a quand même battus pas mal de fois, Golden, en carrière. Vous l'avez certainement vu ou sinon ça s'était fait en off enregistrement. On remporte cet entre-deux et c'est parti, go les détruire. Oh, il nous a donné le ballon là. On l'a pas demandé. Mais vous savez que vos coéquipiers ont quand même une vision de jeu. Ils sont capables de vous faire des passes quand vous êtes ouvert sans que vous ayez besoin forcément tout le temps de demander ce ballon. On avance. Oh, on est tout seul là. Oh, on est tout seul. Et le petit dunk. Easy, tranquille. Pas besoin de... Allez, c'est à nous. Est-ce qu'on va pouvoir jouer au poste? Telle est la question. Ouais, on peut, mais malheureusement. Allez, un petit bras roulé dans la zone froide. Et ça va passer avec un petit peu de réussite. On a des zones froides, donc on est moins bon dans ces zones. C'est-à-dire qu'on a eu un pourcentage de réussite assez faible. C'est pour ça que ça devient des zones froides. Et puis après, une fois que ça devient des zones froides, c'est encore plus dur de marquer. Donc là, on a eu un petit peu de chance. Oh, le contre sans bouger. Bon, comme ça. On a levé la main, Pachulia, il s'est enfoncé dans nous. Oh, attention à ce genre de passe. Oh, le spam. On va essayer de se retourner. On va voir si on y arrive. Allez, on va se retourner. On va finir de l'autre côté. Je crois que c'est la première fois seulement qu'on arrive à faire un reverse dunk, puisqu'on a du mal à se retourner dans cette carrière. Mais là, c'est passé. Il était magnifique ce reverse dunk. Allez, le bel écran opposé pour Justice Young. Et voilà ce que ça fait. N'oubliez pas, je ne le montrerai pas tout le temps, mais poser des bons écrans, ça permet à vos coéquipiers de se démarquer. Et là, on a eu la preuve vivante, encore une fois. Oh là là. Oh putain de sa race. Ah, on est passé. Nice, on est passé. C'était limite, hein, il y avait Klay Thompson qui était venu en prise à deux. Et il a failli me shipper le ballon, mais on a réussi à finir. Et comme je vous l'ai dit, pour l'instant, contre Golden, ça se passe plutôt bien. Même s'il vient de rentrer ce shoot. Allez, le bel écran à droite, il se l'est pris en pleine poire. Et il va encore pouvoir finir. Vous voyez, ça fonctionne bien, s'il ne switche pas. Ils sont dans la merde. Et s'ils switch, eh bien vous êtes en mismatch. C'est ça qui est pas mal, hein. Oh, Chris Bosh, il est passé, il est devant, voilà. Vous voyez un joueur libre, vous lui faites la passe, c'est normal. Vous allez pas tirer. On va nous servir et on va servir Chris Bosh qui est tout seul ici dans le corner. Et voilà, tout simplement. On va servir Chris Bosh, on va poser un écran derrière. Oh, il peut nous resservir le pick and roll. Et tout simplement, voilà, un bon pick and roll fait de notre part. Avec Mister Chris Bosh. Oh, le beau rebond là. Tout simple, on va la donner à Winslow qui est tout seul à gauche. Fais pas de bêtises Winslow, tu peux nous la rendre. Voilà, on est passé. Et le dunk spectaculaire. On le fait souvent ce dunk, je sais bien. Oula. Chris Bosh. Et encore une fois Chris Bosh qui va rentrer son tir. Sur une prise à deux malheureusement inutile de la part des adversaires. Oh, oh, le viol les gars. Oh, ce contre, on lui pique le ballon des mains. Extraordinaire, il s'était passé ça dans l'épisode 8. Qui malheureusement, vous avez vu qu'il était spécial cet épisode. Et là, on lui pique le ballon des mains totalement. Mais qu'est-ce que c'est beau, c'est la première fois qu'on le fait finalement. On l'a fait dans l'épisode 8, mais vous avez bien vu que c'était une compilation finalement. Puisqu'il y a eu un bug dans le tournage. Mais là, on l'a fait, on l'a refait, c'est magnifique. Allez, on est au poste, on va essayer de le contourner, ça va être fait. Et le dunk, tout simplement, Zaza Pachulia qui a beaucoup de balles à défendre. Et depuis qu'on a passé en Love Fame, franchement, on n'a pas vu la différence. C'est super sympa le niveau Love Fame cette année. Il n'y a pas d'injustice. Oh là là, il nous colle, on va couper. Oh, le ballon, oui, c'est bon. C'est bon, j'ai cru qu'il allait pas nous la donner. Et n'oubliez pas, quand un joueur vous colle,
peut-être la dixième fois que je le dis, je sais même pas combien de fois je l'ai dit, mais quand un joueur vous colle comme ça, surtout qu'il n'y a aucune raison de vous coller, eh bien vous coupez, vous demandez la balle si la raquette est libre. Et si vous pouvez recevoir le ballon aussi. Oh super, la passe, je l'ai pas demandé. Je n'ai pas demandé ce ballon parce que je ne savais pas si je pouvais la recevoir. Mais Cilia pense pouvoir, Cilia vous la donne, comme ça c'est bien. Parce que nous, je ne vous voyais pas forcément... Oh putain, j'ai même pas réussi à m'exprimer, je suis désolé. Alors on est au rebond, c'est super ça. On va la donner à lui là. On va passer, on est passé. Et le dunk, voilà. On a fait le tour. On s'est servi un petit peu de lui comme un plot ou un rond-point, comme vous voulez. Allez, on est au rebond, on va l'envoyer à Justice devant. Allez Justice, le step back. Et c'est dedans. Je pensais pas qu'il allait la mettre. Moi, on veut des claquettes dunk nous, mais rate pas leur shoot les animaux. Oh là là, où c'est passé ça? On n'a pas demandé le ballon, il nous a fait une passe du turfu. Mais c'est passé. Oh, ce panier là. Allez, oh ça va être dur de marquer sur sa tête. On est au rebond et on va marquer derrière. Finalement, on s'en sort plutôt bien sur cette action là. Oh là là, on est bien placé là. Eh oui. Tranquille, on a pas. J'ai cru que le ballon allait ressortir. On était tellement bien placé, il pouvait rien faire, le cher David West. Oh super. J'étais en train de pousser tranquillement Zaza Pachulia de l'autre côté. Puis du coup ça m'a créé de l'espace. Et c'est la troisième fois que je ne demande pas le ballon et que mes coéquipiers voient très bien que je suis bien placé, libre, et que j'ai la position pour marquer. Oh. Oh. Oh là, les hoops terribles. Mais je lui ai rien demandé non plus. Oh là 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 là, il m'a envoyé un alley-oop, mais je lui attendais tellement pas. Je dis, mais pourquoi mon joueur il part dans l'autre sens? Et là, oh là 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 là, regardez-moi ça ralenti, c'est magnifique. C'est magnifique, magnifique. Regardez-moi ça. Là, Justice. Oh, oh là 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 là. Magnifique. Allez, on est au poste, on va servir à gauche puisqu'il y a une prise à deux qui est arrivée. Et ça va rentrer. Ah, ça arrive souvent ce genre de situation, malheureusement. Et... laisser le joueur libre dans le coin. Et nous on le sert. Et puis il marque très régulièrement puisqu'il est tout seul. Allez, l'écran à gauche qui est bien pris cet écran. L'aller où peut-être. Oh non, il nous a juste rendu le ballon normalement. Mais c'est bien aussi. On aurait préféré un aller où pour un petit peu plus de spectacle. Mais bon. Allez, allez. On va se retourner à gauche. Oh non, il n'y a pas de place, tant pis. Un petit bras roulé. Oh, timing vert. Boum, allez, salut. Salut David West. Salut. Ce qui est bien, c'est que vu qu'on est chaud, voilà, nos stats sont quand même bien boostés. Hein, ça peut aller jusqu'à plus 10 en stats. Et du coup, ça fait du bien pour nos stats assez faibles pour l'instant. Au poste. Allez, un petit écran à gauche. Voilà, c'est pas mal ça. On est tout seul, on est tout seul. Allez, pas de pied sur sa bouche. Et on active le jus d'orange. C'est pas mal ça. Ah, le pick and roll qui marche très très bien. Surtout qu'il nous a abandonné Stephen Curry qui avait switch pourtant sur nous. Mais il nous a complètement abandonné quoi. Allez, on va faire un petit pick and roll à l'hoop. Justice, on va se mettre à droite. On va demander un écran à mon joueur. On va demander à droite. Par contre, il y a un certain Chris Bosh qui nous embête un petit peu. Tant pis, ça va passer. L'alley-oop. Et c'est dedans. De toute façon, on peut pas faire grand chose d'autre avec d'autres joueurs. Hein. Le pivot rebondeur, je n'ai pas de shoot à mi-distance. Je n'ai pas de tir de près. Je n'ai pas 3 points. C'est normal, je n'ai pas 3 points. Je suis pivot. Et voilà. Oh, oh le contre-saut. Oh, 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 oh. Oh le contre sur Kevin Durant. Dévastateur. Oh là là, on est en train de faire un match que je vous l'ai dit au début de ce match. Contre Golden, je fais toujours des gros matchs avec dans cette carrière-là. J'ai pas eu d'offre de booster parce que, tu vois, il y a quelque chose contre Golden. On doit les battre, du coup, il y a plus de... C'est quoi le mot? Oh, je le trouve pas. Aidez-moi, je trouve pas le mot. Il y a plus d'intensité. Non, c'est pas ça, c'est pas ce mot-là. Il y a plus de... Oh, merde. Allez. On a besoin de revenir dans... Là, on est en train de se faire remonter. Allez, c'est parti. On va pas se faire remonter tout le temps, voilà. Et mon pivot qui va terminer tranquillement. Un pick and roll basique cette fois-ci. Mais là, nos joueurs ont perdu sur les actions que j'ai coupées. Ils ont perdu 3-4 fois le ballon d'affilée. C'était affolant. Et on était en train de se faire remonter. On a plus que 6 points d'avance, quoi. Alors qu'on avait gagné ce match. Mais là, il est relancé. Oh, l'interception. C'est nice. Allez, Justice. On va contrôler Justice. Allez, vas-y. Oh, pour notre pivot. Oh oui. Boum. Oh, mais t'aurais pu claquer ça. Un gros dunk. Tant pis. Oh là là, je suis complètement pété.
qui prend. T'es pas nous, on va la donner à Winslow là, tiens, pour cette fin de match facile. Et voilà, on les a défoncés, on a fait des grosses stats. Regardez-moi ça, 44 points, 16 rebonds, 5 passes, 3 contre, 1184 VC gagnés, sans compter ceux qu'on gagne avec les palmarès, hein, vous le savez. Ben voilà, très très bon match, on se retrouve pour le prochain nous, à tout de suite. En tout cas, cet épisode commence très bien. Allez, on affronte les Nets de Brooklyn et on affronte en tant que pivot, bah, le meilleur joueur de leur équipe, Brook Lopez. Hein. Les Nets qui n'ont pas une équipe de ouf hein, et leur meilleur joueur c'est Brook Lopez. Donc on va devoir faire le café. Mais bon, on bat les Warriors et tout, il n'y a pas de raison de perdre contre Brooklyn. Mais bon, on peut toujours, on a perdu contre les Lakers, il n'y a pas si longtemps que ça, donc voilà quoi. Forcément, première action, ils ont déjà rushé à deux les animaux. Vous avez vu ça? C'est vraiment des animaux, hein. Faut les mettre en cage. Attention à Brook Lopez, hein. Comme on l'a dit, on a bien défendu, on va partir vers l'avant, on va donner le ballon à Justice qui est tout seul à gauche. Prends tes appuis, animal. La claquette. Oh oui. Oh, la belle claquette. C'était pas une claquette dunk, mais on s'est bien positionné pour aller chercher cette claquette. N'oubliez pas que quand vous tentez une claquette, faut être bien positionné, hein, sinon votre joueur saute dans le vent. Et parfois, vous auriez pu prendre le rebond, mais vous aviez tenté une claquette et du coup, vous n'aurez pas ce rebond. On s'est pris un petit panier sur la tronche de la part de Brook. Mais cette petite claquette layup était vraiment sympathique. Mais on est tout seul là. Mais on est tout seul. On va y aller. Boum. Mais oui. On a tenté un... On a mis un dunk spectaculaire. Ça a fait ce dunk. Parfois les dunks spectaculaires ne sont... Voilà, les dunks sont classifiés dans certaines choses. Et parfois vous allez croire que vous n'avez pas fait un dunk spectaculaire. Pourtant ce dunk précis est bien classé dans un dunk spectaculaire. Allez, on va se mettre de ce côté. Ah, il nous l'a donné. Il faut y aller là. Oh, on a raté le timing et tout, on était tout seul. J'aurais pu prendre, voilà, j'ai hésité à prendre ce tir directement ou à partir au dunk. Mais on a eu de la chance que ce fade away avec un timing assez faible, hein, puisqu'on est en Hall of Fame, soit rentré. Allez, on est bien placé ici. Allez, on va tenter. Oh, on va lui rendre. Hein. Il est tout seul. On est au rebond au cas où, voilà, super. Et on va partir au dunk sur la tête de Jeremy Lin. Ses cheveux ne pourront pas m'empêcher de dunker. Ah, il a des piques, faut faire attention quand même. Hein. Oh, le contre sur Brook Lopez, autoritaire encore une fois. Et on contre tellement bien. Eh non, eh, not in my house. Vous le savez, les gens, vous le savez. Cette animation est nickel. Oh, on est passé. Oh, encore une fois. Il nous voyait tellement bien. C'est super ça par rapport à certains opus où il fallait, comme l'année dernière, j'ai l'impression. Si je me souviens pas, l'année dernière, il fallait spammer la touche pour demander le ballon pour qu'il nous la donne alors qu'on était tout seul. Là, il n'y a même pas besoin. Là, il vous donne le ballon quand vous êtes tout seul, etc. Sans qu'il y ait une latence de ouf. Allez. Oh, on a bien défendu. Super. Allez, on va partir devant. Vas-y, vas-y, on part devant. On va la donner à Waiters qui est tout seul. Il fait un step back à 3 points. On va tenter une claquette. Oh, non, oh, on a tenté de la claquette, ça a pris le rebond parfois. Et on marque derrière, super là, regardez. Yeah, yeah, yeah. Parfois, quand voilà, que vous tentez une claquette, parfois il va prendre le rebond, mais parfois non. C'est pour ça qu'il faut faire attention. Parfois, vous appuyez sur triangle, il prend le rebond. Des fois, vous tentez la claquette, il va pas prendre le rebond. Alors que si vous aviez appuyé sur triangle, il aurait pris le rebond. Vous voyez, c'est un cercle vicieux quoi. Le petit lancer franc. On s'est bien amélioré en lancer franc avec les entraînements d'équipe. Pour les shoots qu'ils prennent, qu'est-ce qu'ils nous font là? Oh, on a le ballon et on dunk derrière. Putain, on a récupéré un rebond alors qu'on était box out et tout. Bon, il est bien retombé vers nous. Hein. C'est le karma, ça, c'est le karma. Allez, l'écran à droite pour Justice. Il est bien pris cet écran. Et là, il va finir tout seul avec un beau dunk. Oh, le Justice. Le petit beau dunk de Justice. Non, c'est pas un cadeau ça. Allez, Winslow. Oh, on m'a poussé par terre. Du coup ça fait un 3 plus 1. C'est super ça. Allez hop. Et en plus un timing vert. Et il est capable de nous pousser hein. Oh là là. Oh là là. Oh le contre encore une fois. Oh là 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 là. Tiens, c'est qui le protecteur de la raquette? Eh bien c'est nous. Et on fait un carnage en ce moment. Veuillez recollecter la manette. Hein? C'est quoi ce délire? Putain, j'ai eu une frayeur les types. Je vous jure, j'ai eu une frayeur. J'ai eu peur là, j'ai eu peur que je se coupe, tu vois. Je me suis dit non, pas après l'épisode 8. Pas après ce qui s'est passé. Alors qu'on fait un putain de beau match. Oh, j'ai eu peur moi. Allez, on va la faire à gauche. Oh non, attention, attention à la passe, c'est bon, c'est pas mal, ça va. Et en plus, on marque derrière en plus. Bah voilà, tout allait bien. Mais j'ai eu une frayeur avec ces. Veuillez reconnecter la manette, ils sont fous ces gens là.
Oh le contre encore une fois. Oh là 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 là, on protège très tellement bien notre raquette. Je sais, c'est pas passé grand chose depuis quelques minutes si vous avez regardé le temps de jeu en bas. Mais voilà, ça nous a réveillé avec ce contre. Oh encore un contre. Allez salut. Oh non je suis sorti. J'espère que ça... Attends, j'espère que ça nous a pas fait prendre le ballon puis le perdre. Et s'il vous colle, regardez, vous faites un tour comme ça. Mais donne-moi le ballon, voilà, merci. Voilà, s'il vous colle, en fait, il vous suit comme un toutou. Et ça, c'est un petit truc qui était présent l'année dernière. Je considère que c'est dans la même... Le problème, ce qu'a fait Touquet, franchement... Je me repose 2 secondes, faut que j'en parle. Sur Touquet 16, on a eu les problèmes des prises à deux. Le truc là où le mec nous suit H24. Sur le pick and roll où il y a un mec qui défend à gauche et à droite de l'écran, vous aviez plus qu'à couper. Et ils ont pas réglé ces soucis, non. Ils ont pas réglé tout ça. Ils ont rien réglé du tout en fait. Ils ont amélioré le jeu, mais ils ont pas réglé les petits soucis de tout pourri qu'il y avait sur 2K16 quoi. Oui, il y a moyen de faire quelque chose. Il y a moyen de faire quelque chose, on a les oups, et oui. Oh oh oh. Allez, oup, motherfucker. Oh, je suis tout seul. Oui, je suis tout seul. Reverse dunk en wheel mill. Oh là 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 là. Ça se revoit au ralenti. Mais oui, ça se revoit au ralenti. Regardez-moi ça. On est passé et boum avec la faute. Oh là 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 là. J'aime quand il s'accroche comme ça au panier en plus. Comme ça, il est en train de danser sur le panier. Puis attention à ne pas l'arracher. Sinon, bah, la game se termine. Allez, le lancer franc. On l'a pas. Oh, on aurait dû attendre de récupérer notre endurance, mais timing vert, donc c'est bon. C'est bon, c'est bon. 3 plus 1 dans un match qu'on a réussi. Allez. Encore une bonne défense. Et on a débloqué le grand badge, les gens, dans l'épisode. Et voilà. Félicitations, votre capacité de rebondeur a atteint le niveau élite. Vous obtenez ainsi l'insigne, le grand insigne rebondeur pro. Quand vous êtes chaud dans un match, rebondeur pro s'active dans votre indicateur de joueur. Et pendant un court laps de temps, vos capacités au rebond vont atteindre un niveau rarement atteint. Est-ce que ça nous permet de mettre des meilleures claquettes dunk ou de choper des rebonds? Tu sais, Kogo gâte au bras rebond. Le truc de ta main va jusqu'à là-haut et tout. En tout cas, on a débloqué l'insigne, un petit screen. Franchement, ça c'est cool, ça c'est cool, ça c'est cool. Allez, nous c'est reparti, hein. Ah oui, vas-y, on y va tout seul. Starfoula, passe spectaculaire pour Winslow, pour la victoire. Ah oui, en plus, on fait une passe spectaculaire et ça se termine bien. Tout va bien pour le bien. Allez, au rebond. J'ai l'impression qu'il vole vraiment pour aller au rebond. On va faire une passe là-haut à Dragic, qui va terminer peut-être. Et oui, oh là 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 là, mais tout se passe. Tout se passe bien là, c'est nickel. Et voilà, c'est terminé, victoire 81-60. Je sais, depuis qu'on l'est passé en Hall of Fame, c'est encore plus facile avec Ryder. Et oui, regardez-moi ces stats, 26 points, 21 rebonds, 5 passes, 4 contre. Encore un match exceptionnel. Et nous, on se retrouve pour le prochain match de cet épisode. A tout de suite, tout le monde. Dernier match de cet épisode contre les Chicago Bulls. Et encore une petite cinématique avec Jimmy Butler. Putain, on est tout seul. Ouais, bah oui. Aïe. On est tout seul, ça arrive souvent qu'on se retrouve tout seul comme cette action, mais ça vous l'avez vu. Et on est le meilleur d'NBA en rebond par match, 15,6, c'est pas mal ça, en plus on est en 4x8. Imaginez en 4x12, on serait à plus de 20 rebonds par match. L'année dernière en 4x10 avec mon pivot, j'étais à quasiment 25 rebonds par match, c'était affolant. Oh bien joué ça Chris Bosh. Oh super ça, allez on va lui dunker dessus à Robin Lopez. Voilà, il y a eu Brook Lopez, maintenant il y a Robin Lopez. Et oui, on tue les Lopez, nous. Lopez au mouvement. Oh, Justice. Oh là là, Justice et le dunk. Oh là là. Alors, j'ai dit Justice parce que vous avez pas vu, hein, parce que je coupe les actions de merde. Mais il y a eu une vague de actions de merde. Mes potes, ils prenaient des shoots en contre-attaque contestée. Il y avait 3 mecs sur eux. Ils ont fait que de la merde. C'était affolant. Oui, on passe. Vas-y, vas-y, on passe. On finit de l'autre côté. En 8000 encore une fois. Oh là 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 là. On voit même pas l'action. Ça, c'est des... Ils ralentissent, ils sont pourris, quoi. On voit même pas l'action. Waouh, waouh. Waouh, j'ai le ballon. Ah ouais, je me disais, pourquoi ils m'ont donné le ballon? Ils sont cons. Non, je rigole, c'est moi qui ai demandé le ballon. Ah, t'as vu comment je peux mentir? J'avais demandé le ballon comme un con. Mais il faut pas demander le ballon dans ce genre de situation. On peut pas vous donner le ballon. Eh oui. Ah, le rebond, super. Et on va envoyer à droite, pour Winslow. Allez, je suis tout seul sous le panier. Et boum. Ah, c'est compliqué, hein, c'est compliqué, on se fait défoncer, donc... Allez,
Il était bien posé cet écran, le petit pick and roll. Où on conclut, allez, 11 points de retard, on peut revenir, on a le temps. Il va falloir être plus solide que ça. Oh, le contre par derrière, allez, tu vas pas marquer Wade. Tellement prévisible ce qu'ils allaient faire là. Allez, l'écran. Oh là, pour Justice, c'est bon ça, il va nous faire la passe et boum, le dunk, main droite. Allez, le step back, on est au rebond au cas où là. Oh, c'est compliqué quand même, allez, on va essayer d'y aller. C'est encore plus compliqué ce qu'on a fait derrière que ce qu'a fait Mister Justice Young, mais voilà. On a réussi à marquer, donc tant mieux. Je pose un écran. Oh, il en a rien à péter. Oh, la claquette! La claquette! Oh, elle était magnifique cette claquette! On n'arrive pas à faire les claquettes dunk pour l'instant, mais on fait des belles claquettes layup comme celle-ci. On va la revoir au ralenti. On va faire comme ça. Tac. Regardez-moi ça. Hop, on va la mettre au ralenti. Regardez. Hop! Avec la main gauche là, on est monté tellement haut. Et là, la déposition. Oh là là, on fait des magnifiques claquettes layup. Plus qu'à faire des grosses claquettes dunk. Hein. J'en ai fait en off. Mais voilà, c'est en off quoi. Oula, oula, oula. Allez, on va y aller en reverse. Voilà, le petit layup. 10 points de retard. Il va rester un quart temps, à part si on se prend un shoot du milieu de terrain. Mais on sait jamais. Hein. Ah, ouf. 10 points de retard. Faut rattraper ça, gagner ce match. Ça serait con de terminer sur une défaite. Après, on fait de notre mieux. Hein. Oh, super. Allez, on est tout seul là. Allez, 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 allez. Allez. Ah, avec la faute en plus. Super ça. Yo, yo. Allez, le petit lancer franc. Pour la victoire. Oh là là, le timing, il est pas ouf. Hein. Mais bon, ça passe. Là, on nous remplace et on revient. Il reste que 4 minutes. On a 8 points de retard. Ah, on nous a remplacé. Il aurait pas dû nous remplacer. Il aurait dû nous laisser tout le carton là. Et il fallait qu'on se repose aussi, donc c'était un choix à faire. 8 points. J'espère qu'on va réussir à remonter, ça va pas être simple. Hein. Allez, ça commence tout de suite avec ce rebond. On va la donner à Chris Bosh. Ah, il prend le shoot là. Oh là là, ils prennent des shoots compliqués. Heureusement qu'on est au rebond. Et heureusement qu'on fait une faute derrière aussi. C'est vrai que nos coéquipiers ne prennent pas toujours des shoots évidents, notamment en contre-attaque. Ils ont tendance à shooter super vite. Et nous, on n'a pas le temps d'arriver. Alors qu'on rebond est quand même. Ah là là, voilà, ça, les lancers francs ratés. Niveau timing, ça va pas nous faire de cadeau. Hein. C'est normal. Oula, la prise à deux, forcément. Allez, Justice. Le 3 points. Il est important celui-là. On a le rebond. On allait chercher encore un rebond du Turfu. Et derrière, ça marque. Il était tellement important ce rebond. De toute façon, toutes les actions sont importantes. Il reste 3 minutes 24. Allez, il y a un joueur blessé. Hein. On va essayer de jouer contre le joueur blessé là. Oh super, il nous a donné le ballon au bon moment sur une bonne position. Et on a pu marquer. Attention à notre défense, attention à notre défense. Elle est pas bonne notre défense sur cette action là. Ne faites pas toujours attention à ce qui est marqué. Des fois c'est marqué belle défense, mais vous en faites pas forcément une. C'est pas... j'entends pas mal de gens se plaindre. Ah, j'ai fait une belle défense, il a marqué. Bah non, parfois c'est marqué belle défense, mais ce n'est pas une belle défense que vous avez effectuée. C'est juste que voilà. C'était marqué, mais ceux qui connaissent le basket verront bien s'ils ont fait une belle défense ou pas. Et pourquoi il a marqué sur Robin Lopez sur l'action d'avant? C'est parce que je n'étais pas en face de lui. Je n'étais pas en face de lui, du coup j'ai pas vraiment gêné son tir quoi. J'ai gêné mais très très peu finalement. Alors que si j'étais pile poil en face, il l'aurait raté. Allez, oh oh, allez allez, on peut y aller. Avec la faute peut-être. Oh, c'est dommage. Encore des lancers francs à tirer. Pas les louper ceux-là. Hop. Les timings pour du Hall of Fame ne sont pas encore... Ah, regardez, c'est foiré ces timings. Hein. Donc si ça passe pas, c'est normal. On est en Hall of Fame, donc les exigences sont plus élevées. Et je m'en sors bien, finalement. Attention à gauche sur Butler. Faut défendre ce point. Faut le défendre celui-là pour revenir à égalité, voire passer devant. Attention à pas se prendre les 3 secondes sous la raquette. Allez, on défend bien notre joueur. Allez. Oh super, la défense. Maintenant c'est le moment de repasser devant. Allez, c'est le moment. Et on est tout seul en plus. On a une bonne position, on a une bonne position. On va y aller. Allez, et timing vert, et super. Ah super, on repasse à égalité là. 39 secondes, faudrait qu'on défende cette action. Et potentiellement on aura la dernière possession ou l'avant-dernière. Et là c'est important, la défense. Butler. Oh, c'est un mauvais shoot pris de sa part et on a le rebond. Et on va donner ce ballon à Tyler Johnson qui est tout seul à droite. Prends tes appuis, animal. Regardez, ils prennent des shoots trop rapidement.
Et voilà, ils font tout le temps ça, prendre des shoots directs en pull-up, alors qu'ils ne sont pas forcément bons dans ce domaine. Parfois ils le sont et ils les prennent, mais parfois ils ne le sont pas et ils le prennent en pull-up, au lieu de prendre totalement leurs appuis et de prendre un shoot, voilà, un bon shoot quoi. Oh. Voilà, faute de Winslow là, elle, faut, pas, elle est pas bonne sa faute, hein. Elle est pas bonne du tout là. Oh, quoique. Quoi, elle est pas super. Allez, faut défendre. On se prend pas ce shoot. Pas 3 points surtout, parce que moi je pourrais rien faire si on se prend 3 points en attaque. Oh, le retour en zone! Le retour en zone de Rajon Rondo. 13 secondes. Il faut tirer au dernier moment. J'ai pas envie qu'on rate notre shoot et qu'on se prenne un point derrière. Quitte à aller en prolongation. Mais on va pas suivre la tactique, nous. On va demander le ballon. Pour qu'il fasse pas n'importe quoi, on va lui rendre. Allez, on va poser un écran. Allez, on va poser un écran. Voilà, voilà. Prends le shoot derrière. Oh, et c'est dedans. Un 3 points en plus. Oh là là, il est clutch justice. J'aurais aimé qu'il rate son shoot et que derrière on fasse une grosse claquette dunk. Ça, ça aurait été le la fin parfaite. Du jamais vu sur YouTube. Allez, la défense. Là, on a très peu de chances de se prendre un 3 points, hein, sincèrement. Ils ont pas de gros shooter à 3 points dans cette équipe. Par Mirotic, hein, s'il met ça, les gars. Et voilà, victoire. Et c'était peu, on était derrière tout le match. Et là, Justice, qui a totalement foiré son match, a été clutch à la fin. Il a été très bon dans ce quatrième carton, Justice. Et la victoire. Et c'est une belle fin d'épisode. On se retrouve sur mon terrain et puis on se quitte juste après. A tout de suite. Et voilà, cet épisode est presque terminé. Regardez-moi ce mur rempli de trophées Player of the Match, of the Week, of the Month. Et on aura bientôt des trophées sur les étagères et aussi un... peut-être un nouveau hangar, hein, parce que le hangar nous saoule un petit peu. On aura, il y a 3 habitations en tout que vous pouvez avoir. On est deuxième pour le All-Star, pour les matchs All-Star. On sera peut-être au concours de dunk, j'en sais rien. Voilà un petit peu, on en est aussi dans les joueurs de la semaine, etc. On en est où question équipe, stat équipe. 34-13, c'est-à-dire qu'on est arrivé, on était à 16-12, maintenant on est à 34-13, une seule défaite depuis qu'on est arrivé. Voilà, cet épisode est à présent terminé, j'espère qu'il vous aura plu, n'hésitez pas à me suivre sur Facebook et Twitter, et à vous abonner à la chaîne si ça vous plaît ce contenu. On essaye de sortir du contenu de plus en plus diversifié, je sais qu'au moment où je sors cette vidéo, nous sommes le je sais pas, ça sera vers le 16 octobre, quelque chose comme ça. Mais sinon, il y aura beaucoup de contenu diversifié, tutoriels, etc., astuces et autres contenus divertissants. Merci à tous de me soutenir chaque jour et à bientôt pour un autre épisode de la carrière ou d'une autre série. Tchuss !